Rihanna. Rihanna. Stop. Ou alors Gilbert Montagnier. Mais stop. Ou Lorana Peroni. Bienvenue sur la chaîne de séduction. Mais bon, on va mettre une fête. Bah, connasse. Putain, mais. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'une professionnelle du texto. J'ai nommé. Si on peut dire ça. Mais qui peut bien être une professionnelle du texto? Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à télécharger gratuitement, si ce n'est pas déjà fait, ta formation gratuite Tinder. On l'a refait. Mais avant de commencer cette vidéo, si c'est la première fois que tu viens ici, n'oublie pas de télécharger ta formation gratuite Éliminer ses complexes pour soi et pour séduire. C'est une formation que je t'offre, qui est disponible juste ici en description. Et deuxièmement, si ce n'est pas déjà fait, et si tu veux suivre le contenu d'Attitude Séduction, ben dans son entièreté, tu es libre de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste ici aussi pour vraiment pouvoir un jour trouver le conseil qui peut changer ta vie. Mais maintenant, entrons dans le cœur du sujet, c'est-à-dire comment écrire les bons textos avec un homme. Et pour ça, je ne pouvais pas faire venir d'autres personnes que ma meilleure amie, parce que je peux vous dire que je la connais depuis des années. Oui. On était très jeunes quand oui. On s'est connus. Tout à fait. Et j'ai jamais connu une personne qui envoie, une femme, qui envoie des textos aussi piquants, aussi bons, aussi... attirant, excitant, pour vous dire, je ne lui arrive pas à la cheville. N'importe quoi. Elle est extrêmement douée là-dedans. J'ai toujours, parfois je vous jure, j'étais devant mes messages et je me demandais comment Lorana ferait pour répondre à ça quand je me retrouvais dans des impasses. Oui, ça m'arrive aussi de me retrouver dans des situations compliquées, c'est pas parce qu'on est coach, c'est sûr. Et ma nana, pour vous dire quelques mots sur ma nana qui va parler juste après ça, mais... Je vais parler un petit peu au début. Oui, oui, oui. Parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être devant la caméra, parce que Nana est une maquilleuse dans le cinéma. Boum. Attends, j'ai jamais fait une vidéo aussi. What the fuck? Ouais, je suis désolée, je voulais détruire sa chaîne. Lorana, c'est une grande histoire d'amour entre elle et moi. Oui. Qui a commencé il y a 3 ans quand on se détestait. Oui. Oui. On pouvait pas se blairer, c'était génial. Voilà. Et même ça fait même 4 ans oui. Quand on ça y fait, pense, le temps fait. Passe. Ça fait 4 ans, on s'est détesté, puis on s'est adoré, puis on s'est adoré. Mais t'allais dire, puis on s'est redétesté, j'allais me dire putain, j'étais pas au courant. Voilà, c'est ma meilleure amie, c'est pas pour rien. Je l'aime très très fort, et non seulement parce qu'elle est très bonne, comme vous pouvez le voir, mais aussi parce que c'est une personne qui est de très bons conseils. Dans beaucoup de choses et notamment ben aussi dans les relations hommes-femmes, parce que quand on est coach on a aussi envie de se faire conseiller par des personnes extérieures, ça n'empêche. Et du coup Lorana est une très bonne personne qui a eu beaucoup d'expérience aussi dans les relations amoureuses. C'est une jeune femme qui plaît, qui n'est pas forcément toujours tombée sur des bonnes personnes, mais qui a su en retirer un certain savoir. Et s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est sa façon d'attirer l'homme à elle en jouant un petit peu sur 2 pas en avant, 1 pas en arrière. C'est très puissant et on va vous en parler dans cette vidéo. Est-ce que tu veux dire quelque chose avant de commencer? Je vous aime. J'ai pas d'autre inspiration. En quoi ça me fait vraiment bizarre de taper ma petite nana devant une caméra. C'est complètement, et on aurait totalement dû préparer cette vidéo. On n'a pas du tout préparé cette vidéo, mais c'est pas grave. Ça va être sympa au montage. Oui. Ma petite nana, dis-moi un petit peu pour toi, comment réside un bon échange avec un homme? C'est vraiment le côté piquant, le côté intrigant, le côté mystérieux en fait, avec un garçon, donc tu l'as rencontré une première fois. Et le but en fait dans ces SMS c'est... alors tout dépend après si c'est lui qui lance, si c'est toi qui lance. Le but c'est que ce soit lui qui lance. Non mais oui, c'est le côté un peu piquant. En fait le titiller sur certains points mais tout en restant je vais pas dire inaccessible, encore mystérieuse pour que bah, il ait envie d'un prochain rendez-vous pour te découvrir encore plus évidemment. Et montrer dans les textos que t'es unique. Je sais pas comment expliquer, ça, mais... Ça c'est puissant, ça, ce que tu dis, ouais. Que voilà, tu fais pas les mêmes textos que toutes les autres nanas qui va parler... C'est-à-dire qu'on reste pas dans le politiquement correct. Non. Je trouve que, et c'est vraiment une de ses forces,
qui m'a d'ailleurs, à l'époque où on s'est connus, où j'étais pas encore coach, j'avais été bluffée en fait par cette facilité que tu avais à décomplexer complètement une relation. C'est-à-dire que le mec, il a beau être le plus beau du monde, parce qu'il faut dire que tu te sentais quand même avec des bombes atomiques, les certains messages étaient... mais elle le renvoyait sous terre, le mec. Mais c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à le brusquer, elle n'hésite pas à l'étonner. Ouais, je pense que c'est ça le but surtout en fait, c'est de lui montrer aussi que dans tous les cas, il fallait que... Je suis une personne qui n'est pas capable beaucoup de confiance en moi, mais au niveau des hommes, je sais que je serai au-dessus d'eux, je suis toujours au-dessus d'eux. J'étais tellement blessée par les hommes que maintenant, aujourd'hui, je me dis, je vaux tellement mieux que tous ces pauvres types. Alors... Il y a des très bons hommes aussi. Je suis tombée, je pense, sur, pas les bons, les mauvais. Mais, et du coup, quand je parle à un homme qui me plaise énormément ou pas du tout, dans tous les cas, il faut que je me sente, je sais pas comment dire... Un petit peu supérieure. Un peu supérieure, voilà, sans que ce soit malsain. Sans que ce soit malsain, pas du tout. En fait, c'est juste... Du coup, voilà, l'homme, je vais pas le traiter comme la bombe qu'il faut que je séduise... pour qu'il puisse s'intéresser à moi. Non, ouais. C'est lui, entre guillemets, c'est un honneur pour lui de me parler, limite. Alors, ça, pas du tout. En soi, c'est exactement ça l'état d'esprit dans lequel j'ai envie que vous soyez au début. C'est-à-dire que j'ai envie que vous vous mettiez dans la tête que c'est à lui de faire ses preuves. Parce que lui, de son côté, il se met dans la tête que c'est à vous de faire vos preuves. Et en étant étonnante, comme ça, vous allez faire vos preuves. Et lui, du coup, il va être déstabilisé. Savoir que, pour moi, une des principales forces d'une séduction, c'est la déstabilisation. Sans que ce soit malsain, sans que ce soit mauvais, c'est étonner l'autre, étonner. Et c'est vrai qu'on va peut-être vous montrer quelques échanges possibles, ouais, qui vont pas mal justement vous étonner par rapport à ça, parce qu'il y a du culot. Faut pas avoir peur de déplaire, je pense. Non, c'est totalement ça. Ouais. Voilà. C'est vrai que toi là-dessus, t'es étonnante parce qu'il y a un genre de... comment dire? Dans ton cas, et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes, quand on peut être belle, quand on se met... Et je sais que, quelque part, tu sais que tu es une belle personne, toi qui regardes cette vidéo, tu es une belle femme. Oui. Bah, il y a ce côté où le mec va se dire, elle est belle, donc forcément c'est une princesse, donc forcément il y a un stéréotype autour de la beauté. Et si tu brusques ce stéréotype pour montrer quelque chose de complètement opposé à ce stéréotype, c'est-à-dire une nana... qui te ressemble un peu au fond de toi, tu sais, cette nana qu'on est quand on est dans notre salle de bain avec nos amis. Exactement ça. Qui est en train de se maquiller. Enfin, on a un côté un peu décomplexé quand on est entre nanas, et je pense que ce côté décomplexé, faut aussi le mettre un petit peu en avant quand on est avec des hommes aussi, parce que bah, ça les fait rire, ce sont pas forcément des mauvaises personnes. Ouais, c'est ça qui fait la différence, et ça montre aussi qu'on se prend pas forcément au sérieux. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. En fait, faut pas se prendre au sérieux, et faut pas prendre l'autre au sérieux. Ouais, tout à fait. C'est ça, important. Du coup, est-ce que t'as des petits messages un petit peu croustillants? Oh, bah toujours un petit peu, hein. Je pense que voilà. On a un exemple assez puissant à vous donner sur comment, à partir d'un premier rendez-vous, en fait, enfin un premier rendez-vous, une première rencontre qu'ils ont eue dans un cadre professionnel, ouais, on va dire ça comme ça. On n'en dira pas plus. Ils ont eu un échange dans un cadre professionnel, il y a eu un petit kiff, on va dire... mutuelle, mais bon, rien d'affriolant non plus. Non. Et ils se sont échangés leurs numéros. Ouais. Et comment, à partir de là, ils ont fait, on va vous montrer les textos, pour arriver à un premier rendez-vous. C'est ça, exactement. Comment introduire en fait le premier rendez-vous sans que ça fasse ouais. Attention, c'est le premier rendez-vous, allons boire un verre, tu vois. C'est ça, exactement. Et là-dessus, vous allez voir, cet échange, je l'ai lu, il est génial. Quand je lis ces messages, c'est du petit lait. Vraiment. J'ai rencontré cette personne dans un cadre professionnel. Là, c'est un peu plus facile parce que cette personne avait déjà mon numéro, étant donné que je travaillais pour lui. Donc, il avait déjà mon numéro pour m'envoyer les informations, pour le taf, etc. Donc voilà, j'avais déjà en ma possession son numéro, donc ça a été assez facile de lui envoyer un message. Le travail qu'on a effectué ensemble s'est terminé, donc du coup, le lendemain, j'ai pris le lead, j'ai pris la décision de lui envoyer un message. Parce que je me suis dit, putain... Bah on sait plus. Ouais, voilà, on sait plus, ça s'est super bien passé, il y a eu un feeling, je sens que je lui plaisais, il me plaisait beaucoup. Ça me ferait chier de pas le revoir. Donc on le tente, j'ai rien à perdre là-dedans. Au pire... Bah il te répond pas. Au pire, il me répond pas, et au mieux, il me répond et tout se passe bien. Donc j'ai décidé de lui envoyer un petit message léger. Léger, sympa, pas... Voilà, pas grosse pression.
Premier message que je lui ai envoyé, fin de chef, juste un message pour te dire un grand merci à toi de m'avoir autant stressé et cassé les couilles pendant ces 3 jours, en espérant que tu arrives vivant chez les... Fais attention à tes fesses sur la route, merci, je t'embrasse. Signé ta petite maquilleuse de 22 ans, qui fait des vieux nez. Bon, c'est lié au contexte. Voilà, lié au rapport en fait. Le but en gros dans ce genre de message, c'est toujours mettre un petit rapport en fait de ce que t'as vécu avec, avec le mec. Et donc la signature, là, ta petite maquilleuse de 22 piges qui fait des vieux nez. Pourquoi? Parce que il a été surpris par mon âge, le fait que je sois aussi jeune. Donc du coup voilà, boum, c'était le fait du petit rappel qui lui a un peu déplu ou pas. Mais voilà, souvenir aux discussions qu'on avait pu avoir sur le tournage qui s'étaient bien passées. Donc petit rappel pour lui, lui il est à son taf, il reçoit un petit message comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Ça fait du bien. Et surtout vous voyez, elle reste... en fait, enfin, vous le verrez, il y a les smileys aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle pique, mais en même temps elle reste très agréable. Oui. Tu vois, oui, c'est agréable, c'est un peu un petit rayon de soleil au milieu d'une journée un peu monotone. Oui, c'est ça. Et je trouve que ça passe très bien. Ça passe très bien. Oui, voilà, parce qu'on peut voir que, bon, je l'ai quand même pas insulté, mais je lui dis merci de m'avoir autant stressé et cassé les couilles. Excusez-moi. Oui, non, oui. On le mettra. Mais... En soi, c'est ça qui est bon. C'est... Oui. C'est le ça. Fait de dire tu m'as cassé les couilles. Quelle nana va dire à un homme qui lui plaît tu me casses les couilles au bout de 3 jours, quoi. C'est ça. Il m'a envoyé le. Attendez. Ah ben non. Il m'a répondu une heure après. Je pensais pas. Donc, il m'a envoyé un roman. Il m'a envoyé un super long message en vrai. Bon, c'est pas le cas de tous les hommes là. Bon, pour le coup, c'est un homme qui aime bien écrire. Donc j'ai reçu. Mais c'est tellement mignon ce petit message, même si tu frises l'irrespect à certains moments. Respecte ceux qui pourraient être ton père, comme tu dis. Je crois que ce qui va me manquer le plus, c'est de voir ta tête en te justifiant sur le nez sans que je ne dise quoi que ce soit. J'espère que tu garderas quand même un bon souvenir du. Merci de ta bonne humeur et d'avoir gardé ton sourire sur ces 3 nuits. Et j'ose espérer que tu ronfles bien en ce moment, si tu peux ronfler un peu pour moi dans la foulée. Parce qu'il était en train de travailler, moi je dormais. Des bisous ma petite maquilleuse de ton vieux casse-burne. Enfin bref, voilà. Et on note du coup qu'il envoyait quelque chose d'encore plus grand que ce que t'avais envoyé d'abord. Tout à fait. Et tout en étant lui aussi dans le jeu. Et en même temps, comme il a dit, c'est trop mignon. C'est clair. Ça, c'est très attachant de sentir ça. Quoi. Ouais. Donc ensuite, voilà, là on va vous mettre à partir du moment où ça commence à parler un peu rendez-vous. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc en fait, ça s'est fait... Combien de jours après le premier message? 5 jours, ça a été assez rapide. On se parlait un peu tous les jours. C'était à peu près un message par jour. Mm-hmm. Je recevais un message une journée, je répondais le lendemain. Tranquillement, parce que voilà... Pour lui montrer que j'étais pas non plus tout le temps sur mon téléphone, j'ai ma vie à côté, j'ai mes potes. C'est ça que j'allais te demander, ouais. Aussi. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut répondre tout de suite ou est-ce qu'il faut répondre... Bah en fait, ça dépend si c'est un échange qui est quand même assez... comment dire? Il y a beaucoup de questions-réponses, on est dans le truc, bon bah on est dans son lit, on a 15 minutes pour répondre, il est 21h le soir, bon bah voilà, on se fait plaisir, ouais. On échange 2-3 messages. Mais après dans la journée, moi je pars du principe que j'ai ma vie, il a la sienne. Je suis d'accord avec toi. Il y a une grande différence entre la journée et la soirée pour répondre. Ouais, c'est vrai, ouais. Complètement. La journée au contraire, soyez une force tranquille, moi je pense. Répondez, voilà, quand vous avez le temps, mais restez pas focus sur votre SMS, sur votre texto, parce que vous avez le choix, c'est ce qu'il faut vous dire dans la vie, enfin dans la tête, quand vous êtes en échange avec un homme, vous avez le choix, vous n'êtes pas sur cette cible unique, il n'y a pas que lui, donc il a cette preuve à faire, soyez pas trop demandeuse. C'est ça, comme ça. Tandis que le soir, ben, on le sait, le soir, la nuit, c'est un peu plus chaud, il y a une sorte de tension qui monte. Totalement. Et on ça. Est tous dans son lit, on sait ce qu'on a envie de faire quand on est dans un lit et qu'on parle avec un homme. Donc, c'est généralement à ce moment-là que les conversations deviennent les plus intéressantes. Complètement. Ah, c'est génial. Alors comment je suis arrivée du coup à ce petit verre, comment nous sommes arrivés? Je me rappelle plus si c'est moi qui ai pris le lead là-dessus ou si c'est lui, je crois que c'est moi. C'est toi avec la bière. Oui, c'est moi, oui c'est vrai. Je l'ai maquillée, bon on a eu 2-3 altercations parce que je lui ai mis un peu d'alcool dans l'œil, bref, faute. Et donc du coup on parle de ça, il m'envoie en dessous, il faut que je me venge de ça d'ailleurs. Je me suis dit ok, il m'envoie une petite perche quand même, il faut que je me venge. Ça veut dire que tu veux qu'on se revoie pour voilà, venger. Pour venger, on coco. Exactement. Ça me fait trop plaisir de faire cette vidéo. Non, je suis la l'ami. J'ai un mal de crâne affreux à cause du vin d'hier. Super, mais toi. Du coup, bref, j'enchaîne sur ce qu'il me dit avant et je suis par... Ah oui, carrément, on parle de vengeance. Écoute, si ta vengeance consiste à juste me payer une bière ou... Ok, je prends. Étant donné qu'il travaille...
on essaye de gratter, mais bon. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que elle a noté quelque chose de simple et après quelque chose d'un peu farfelu. Ouais, et en fait, ça rend la situation beaucoup plus légère. Ouais, complètement. C'est-à-dire que tu peux aussi m'inviter au... Ça rend le truc très amusant parce que il va pas là. Non, je sais. Mais en grossissant comme ça et en même temps en montrant qu'elle a pas peur de lui déplaire, en proposant ça, ben ça lui montre qu'elle a une certaine confiance en elle à ce niveau-là, ouais. Qu'elle a pas peur, qu'elle est un peu brusquante quand elle parle, et c'est comme ça que le verre passe encore mieux. Complètement. Est-ce qu'il l'a chopé la perche du coup? Ah, je pense qu'il l'a prise, mais très très vite. Il attendait que ça. C'est ça. Et donc il me répond, bref, il me répond à ce que je lui mets au-dessus, et en dessous il répond. Pour ce qui est de la vengeance, je pense effectivement commencer par te proposer un verre. Si je trouve que la vengeance n'est pas assez représentative, je passerai au châtiment supérieur. On adore. Oh. Et donc je lui ai répondu, c'est vrai qu'une bière en ta charmante compagnie serait effectivement des plus désagréables. Je propose donc en plus que tu me prennes des places VIP avec des passes dans histoire que là ce soit vraiment vraiment insupportable. J'aime trop. Non mais en soi c'est si, ça. Je sais pas si c'est compréhensible en vrai le message que j'ai envoyé. Si, de toute façon on va le mettre là. Mais en soi c'est ça que j'ai kiffé. Et puis pour que ce soit vraiment désagréable, je veux dire, on part en plein délire. Si on regarde la situation de façon logique, elle a aucun sens. Non, tu vois, totalement aucun sens. Mais c'est ça qui rend le truc vraiment vraiment brûlant, qui rend le truc vraiment étonnant, c'est que elle l'étonne de texto en texto parce qu'elle cherche à lui déplaire de texto en texto. Et c'est ça qui lui donne envie de venir parce qu'il sait qu'au fond il rame. C'est clair. Voilà. Et du coup après il a. Et après organisé. Exactement. On a organisé. Et on se voit jeudi. Merci. Voilà. Oui. D'ailleurs au moment où cette vidéo sortira, ils auront eu leur date. Oui. Du coup, peut-être que tu pourras venir pour nous témoigner ce qui s'est passé. Peut-être que si ça se passe bien, on l'invitera. Oh, pour oui. Oh là là, tu vas. Ah, ce serait ouf. Il est si beau. Il est entre le Leonardo DiCaprio et le Brad Pitt. Ce genre de dos comme ça. Voilà. Ce genre de merde rouge. En tout cas, ces textos sont précieux. Je pense que les filles, si vous êtes sur cette vidéo et si vous voulez que Lorana revienne, même si la vidéo n'est pas tout terminée, franchement, mettez-le parce qu'elle a un petit peu hésité quand même avant de venir. Oh là là, oui. Parce qu'elle n'est pas très à l'aise devant la caméra. C'est horrible, sachez-le. Voilà. Mais c'était très agréable. En tout cas, ouais. Merci de m'avoir reçu sur ta chaîne parce que ça fait depuis que tu l'as sortie que j'ai regardé ta toute première vidéo. C'est vrai. Et je te l'avais envoyée même pour avoir ton avis. Ouais. Tu me rappelles et dès le début, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, fonce, tu vas tout péter, quoi. Mais c'est très émouvant. Oh oui, mais c'est normal. Et ça a pas manqué, t'es à... Putain, c'est ouf meuf, t'es à 10 000 abonnés presque, ou tu les as dépassés, non? Je suis en train de dire de la merde. 500 et quelques... Oh là là, mais c'est la folie. Donc, je m'attendais pas à un message d'amour. Mais non, mais c'est normal, attends, tu m'offres la chance de pouvoir poser mes petites fesses sur ce canapé que vous voyez tous tant à chaque fois. Et d'ailleurs, merci le plein. Ah oui, c'est elle qui me l'a offert. Je dors avec, j'ai le même, je dors avec toutes les nuits, enfin bref. C'est vraiment un honneur du coup de faire une vidéo avec toi et voilà, que du bonheur. Je t'aime aussi et je vous aime si fort vous. Les gens qui lui envoient des super beaux messages et de voir en fait à quel point tu aides les gens, tu leur donnes du sourire chaque jour et de la confiance en eux, ça me fait plaisir et je me dis putain je suis fière d'avoir une amie comme ça. Voilà. Non, je suis extrêmement émue parce que je sais que c'est aussi dur pour toi de lâcher ça devant une caméra. Non, mais ce que je te dis ça maintenant parce que, attends, en début de vidéo, j'ai mis 20 minutes à pouvoir me mettre à l'aise et me lâcher et à trouver mes mots. Et voilà, et la meuf, en 3 minutes, elle m'a fait un coaching pour me. Et, je sais pas, c'est de la magie ce qu'elle fait. Elle a mis en sorte 2-3 trucs, elle a arrangé le décor, elle m'a dit quelques mots et boum, c'était parti et on a pu faire cette vidéo. Donc voilà, cette meuf est incroyable. Non mais je vais en profiter du coup pour... Je suis émue, c'était pas prévu que je vous dise ça. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, mais sur choisir vos amis. Parce que aujourd'hui j'ai fait venir Lorana, c'est la première de mes amies je crois. J'ai fait venir Flo qui est un ami mais qui est aussi un collègue. J'ai fait venir Lorana évidemment, j'ai aussi deux autres amis exceptionnels comme mes petites chéries Céleste et Mélo. Mélo, Céleste, on vous aime. Je vous aime fort ici. Moi aussi. Mais j'ai voulu faire venir Lorana aussi parce que
En fait, les amis, c'est des gens qui doivent vous accompagner dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est vrai qu'avec Lorana, depuis qu'on s'est connus, elle comme moi, on a eu certaines mésaventures, on va dire ça comme ça. Certaines périodes. Et on a toujours fait en sorte de mener notre barque et de faire ce qu'on pouvait pour aider l'autre et s'aider soi-même. Ouais. Que ce soit toi dans certaines de tes relations avec les hommes, moi quand j'ai pris du poids, etc. On a toujours essayé de se... Voilà, de se monter, alors que nous parfois ça allait pas non plus. Et on a toujours fait en sorte d'essayer de mettre de côté pour aider l'autre par nos propres handicaps en fait. Nos propres souffrances, parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas parce qu'on est coach qu'on souffre pas, loin de là. Et donc choisissez vos amis, choisissez des gens qui prennent du temps pour vous. Et choisissez des gens pour qui vous avez envie d'en donner. Mais dans tous les cas, une amitié, une relation en général, ça doit être un échange. Vous donnez, vous recevez. Voilà. Totalement. Bon, eh bien, merci. Eh ben non, merci à toi. Si vous voulez que Lorana revienne, sincèrement, et vous savez à combien ça me ferait plaisir, vous mettez ça par commentaire. Foncez, et je vous mets les petites photos ici. Ouais. Regardez ces fichus make-up de ouf qu'elle fait. Oui. Parce que, croyez-moi, cette meuf, elle a pas l'air comme ça, c'est 1m58. Ouais. Mais elle fait des trucs de fou, elle est incroyable. Elle te fait, parfois elle m'envoie des snaps où elle est en sang avec le crâne rasé. Et des fois elle m'appelle et elle me dit tu fais quoi? Je dis oh bah là je me suis fait manger par un ours. Voilà, c'est ça, coucou. Et c'est totalement normal. Et bref, cette fille mérite d'être encore plus connue qu'elle ne l'est déjà parce qu'elle commence à bien marcher dans le monde du cinéma, de la pub, bref, de l'audiovisuel. Elle a fait des jolis tournages, elle reste toujours quelqu'un de très simple et d'incroyable, oui, oui. Voilà, c'est une fille incroyable. Donc allez foncer voir son Instagram et si vous avez besoin d'elle pour un make-up, eh bien écoutez, n'hésitez pas. Voilà, soit vous la contactez sur Insta, un make-up beauté, oui, ou un make-up FX pour Halloween, tout ça, tout ça. Avec plaisir. Bien, vous la contactez. Au pire, tu mettras sur Instagram. Ouais, je mettrai ton mail dans tous les cas et vous pouvez la voir sur Instagram sur le make-up FX. Voilà. Et bah merci beaucoup. Et voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les coachings que je propose, et pourquoi pas même sur un, j'ai une idée comme ça qui me vient, mais sur un coaching spécial SMS, spécial échange, bien vous pouvez me contacter à l'adresse brenda@attitudeseduction.com. Je me ferai un plaisir de répondre, et si vous souhaitez des conseils de Lorana, ce sera je pense un plaisir de répondre. Mais tout à fait, grand plaisir. Voilà, écoutez, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite sur Attitude Séduction. Bye bye. Bye. Et sur ce, oui, on twerker. Oui, yes, ouais. Ça a pas filmé, meuf. De quoi? Ça a pas filmé. Non, tu mens. Non, ça a pas filmé. Non, mais si, sera mentir, putain. Je connais ta tête quand tu mens. En vrai, j'ai eu un peu peur.